On était potes d'enfance, hein, et donc on était copains. On s'est perdu de vue comme d'habitude, tout le monde part, voilà, puis on s'est retrouvés, et puis on prenait le métro pour aller dans la même direction, lui au lycée Turgot et moi aux arts appliqués, on prenait la même ligne de métro, alors on avait décidé de se voyager ensemble. Et puis on avait des intérêts communs dans le cinéma, dans la bande dessinée, dans les romans de science-fiction, ça c'est on vieillissant un petit peu. Et puis on est parti aux États-Unis, lui comme prof, moi pour regarder les vaches. Bon, tout ça, c'est des rencontres, et ça s'est fait que ça s'est. On s'est retrouvés. Et puis, qu'il fallait bosser, moi j'avais pas de billet de retour, et il fallait que je paye mon billet de retour. Et donc, on a fait une première histoire de 6 pages pour Pilote que j'ai envoyé à Giraud, qui était un copain d'école. Puisqu'on était à l'école ensemble. Bah, il les a donnés à Goscinny qui a dit Ah oui, bon, c'est vrai, hop, allez, hop. J'ai dit à Giraud, tu me fais venir envoyer le chèque, parce que c'est ça. Le reste, Pilote, je ne connaissais pas et je m'en foutais d'être. Moi, ce qui me contenait, c'est que je continuais mon voyage, mais j'avais au moins, je pouvais payer mon billet de retour. C'est comme ça, la vie des grands créateurs, n'est-ce pas? Mon œuvre. Oui, des motivations modérément élevées, quoi. Bon.